مجبول بدم الضحية الفلسطينية. إلى جانب هاتين المأساتين اللتين تحيطان بنا وتنغرسان عميقا في حياتنا ووجداننا إلى درجة دفعنا إلى حافة الحرب الأهلية، فإن مدينتنا تعيش في منطقة تأخذ حكاية الهوية إلى نهاياتها البائسة. وللأسف فإن سياسات الهوية التي تنتشر اليوم في العالم تقود إلى تنامي العصبيات، ومن بينها مرض الخواف من الإسلام، الإسلاموفوبيا، الذي ينتشر في أوروبا ويصنع صيغة جديدة للسامية. في المدينة التي تعيش على فوهة بركان هذه المآسي، والتي سبق لها أن دفعت غالياً ثمن الحروب وحماقات التاريخ، نؤسس اليوم بيتاً للكتاب مؤهلاً لبناء وعي جديد بمعنى الكتابة بوصفها إطاراً للإبداع، وأرضاً لمواجهة الألم بألم الكلمات، ومكاناً للحوار مع الآخر الذي يسكن في أعماق الذات. فأهلاً بكم في بيروت. À sa manière bien particulière, bien que l'on connaît tous, extraordinairement détournée, Elias Roure y revient évidemment à notre propos. Je remercie pour ce très beau recentrage des problématiques de la littérature au sein des problématiques dramatiques qui nous entourent. Et je cède la parole à Alexandre, qui va nous parler aussi de la même chose, certainement d'une autre manière. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureux de cette initiative dont Sharif a été le maître d'œuvre. Surtout en cette période, Elias a, en quelques mots, planté le décor, mais c'est vrai que nous vivons une époque difficile, surtout au Liban. Et il est très symptomatique de voir que dans un pays sans gouvernement, avec un parlement aux abonnés absents, avec des institutions paralysées, que des écrivains prennent l'initiative de créer une maison de la littérature. C'est quand même un défi, un signe de foi dans le rôle culturel du Liban, un signe de foi dans l'avenir du Liban. Aussi, le choix de Beyrouth me semble très pertinent parce que Beyrouth, d'abord, est une ville arabe, certes, comme disait Elias, mais aussi trilingue, ouverte sur le monde, qui a toujours été, c'est devenu un cliché de le dire, mais c'est une réalité, un trait d'union entre Orient et Occident. Je me souviens d'un très beau dialogue entre Amin Maalouf et Le Clésio dans l'Express, où Amin Maalouf disait que nous sommes des médiateurs, que nous sommes notre vocation de Libanais, et peut-être et de bâtir des passerelles, des ponts. Et donc, je crois que le choix de Beyrouth s'impose. Sinon, le fait qu'il n'y ait pas de maison encore me rappelle ce beau livre de Nadia Tweny aux éditions Duchesne qui s'appelait « De ma fenêtre sans maison ». Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons une très belle fenêtre par laquelle nous pouvons voir très loin, où on peut contempler l'horizon avec beaucoup d'espoir. Mais il est vrai que nous n'avons pas de mur, et peut-être c'est tant mieux. Cela dit, je regrette, je déplore que dans cette belle ville de Beyrouth, bien que la municipalité ait très généreusement commencé à aider cette initiative, mais je pense qu'il est inadmissible aussi que les lieux culturels soient absents de cette reconstruction de la ville, quand on voit que le Grand Théâtre est encore n'a pas été reconstruit bien après la fin de la guerre, quand on voit qu'on n'a toujours pas de musée d'art contemporain, pas d'opéra. Donc je trouve qu'il allait de soi de bâtir une maison des écrivains et que soit la municipalité de Beyrouth ou le ministère de la Culture ou le gouvernement aurait dû créer cela. Mais d'un autre côté, je me dis, ce pays, finalement, a toujours fonctionné sans l'État. Quand on voit tous les festivals qui ont lieu, quand on voit les initiatives qui ont toujours eu lieu, même dans la guerre, pendant la guerre, lorsque l'État était absent, on se dit finalement que c'est l'initiative privée qui est une garante de durabilité et peut-être de qualité. Et finalement, même s'il faudra se battre, et je souhaite beaucoup de courage à Sharif, et on sera tous à ses côtés pour pouvoir
assurer la pérennité de ce projet. Mais il est vrai qu'il aurait été beaucoup plus facile si l'État lui-même prenait cette initiative et lui-même était un peu le parrain de ce projet. Mais on s'est habitué dans ce pays à toujours nager tout seul, sans la bouée de l'État. Et donc, on continuera comme ça. Sinon, l'idée en elle-même, moi, chaque fois que je suis invité à l'étranger, j'avais toujours cette idée, pourquoi pas chez nous ? Quand je voyais les Assises de Lyon, je pense que le monde a toujours couvert cette belle initiative. Quand on voit en Irlande, Galway, qui est organisé par Hay Festival. Quand je vois surtout en Allemagne, ce qu'on appelle la Literaturhaus, dans chaque ville en Allemagne, il y a une maison de la littérature qui est très conviviale, où il y a même un café, où il y a des bibliothèques, où il y a des expositions fréquentes sur la littérature et qui reçoit toujours des écrivains ou bien individuellement ou pour des réunions. Donc on se dit, c'est bien qu'aujourd'hui, le Liban, à son tour, aussi décide de faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'intermédiaire, disons, entre les Assises de Lyon, Galway et la Literaturhaus, en attendant d'avoir ce bâtiment. Moi, je pense que là où je pourrais aider, je crois que ce sera surtout à travers l'Orient littéraire que je dirige avec et dont Sharif nous fait l'honneur d'être dans le comité de lecture, de rédaction. Donc l'Orient littéraire certainement sera aux côtés de cette initiative pour en couvrir pour l'annoncer, la programmation, le suivi, mais aussi pour publier chaque année la revue qui sortira, donc qui sera issue de ces rencontres, puisque Sharif a proposé que chaque écrivain invité, quelques mois avant sa venue au Liban, envoie un texte dans sa langue d'origine qui sera traduit, trilinguisme oblige, en anglais, arabe, français, et de sorte qu'on aura quatre langues, sauf s'il parle l'une de ces trois langues, évidemment. Donc ce sera en trois ou quatre langues dans cette revue-là, et qui sera diffusée au public pour pouvoir vraiment mieux mesurer la qualité de l'œuvre de cet écrivain, pour avoir une meilleure idée de ce qu'il écrit. Et de sorte qu'au bout d'un certain temps, je pense qu'on pourra avoir un grand nombre de textes inédits de très grands écrivains, et je pense qu'on aura là vraiment une source très précieuse, un ouvrage très précieux, et qui contribuera justement à ce dialogue interculturel et qui fera en sorte qu'aussi ces rencontres-là, bien que je pense elles seront filmées ou bien enregistrées, mais aussi on aura des écrits entre nos mains. Donc voilà, je pense que l'Orient des Livres, donc la maison d'édition qui cohabite avec l'Orient des Livres, aussi prendra le parti de publier cette revue, comme elle le fait d'ailleurs déjà avec une revue en arabe qui s'appelle Kalamon, qui réunit des écrivains arabes cette fois. Et voilà, j'espère que bonne chance à cette initiative, et je peux assurer Sharif qu'on sera toujours à ses côtés, et que moi je dis toujours que ce qu'il y a de plus beau que le rêve, c'est le rêve qui se réalise. Donc il a rêvé ce projet, maintenant il le voit qui se réalise, alors nous allons rêver avec lui et le concrétiser avec lui. Merci. Merci Alexandre. Et moi je souhaite beaucoup de plaisir à Alexandre, parce que l'Orient des Livres va devoir publier un livre dans lequel il y aura tous les ans des textes en chinois, en japonais, en serbo-croate. Et alors pour les traducteurs ça ira, mais pour les correcteurs ça va être une joie. Une dernière chose avant de finir, juste vous parler des programmes de l'année prochaine qu'envisage la Maison internationale des écrivains. D'abord, les premières rencontres ont lieu au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, avec une série d'écrivains sur un thème qui est peut-être pas très clair quand on en parle comme ça, c'est les écrivains entre deux cultures, mais qui tournera autour de la littérature produite par des écrivains qui écrivent dans des langues qui ne sont pas les leurs. Soit des écrivains qui sont dans l'émigration et qui ont adopté la langue de leur pays d'émigration, soit des gens qui parlent une autre langue que celle dans laquelle ils ont toujours vécu, ou qui écrivent dans une autre langue que celle dans laquelle ils ont vécu, même si c'est dans leur propre pays, ou qui ont adopté la langue d'une majorité alors qu'ils font partie d'une minorité culturelle. Donc ce sera une série d'écrivains qui ont tous l'expérience d'écrire dans une autre langue que la leur, et ce sera donc des écrivains aussi bien du Brésil, d'Allemagne, du Canada, ou de toutes les régions du monde. Et je pense que je ne peux pas vous donner les noms des écrivains parce qu'ils n'ont pas tous encore répondu à nos invitations, mais nous les avons invités. En tout cas, leur liste
la liste de ceux que nous prévoyons d'inviter et sur le programme préliminaire que vous trouverez sur le stand de la Maison des Écrivains en face. Alors évidemment, ces premières rencontres qui sont accompagnées donc de cette revue que L'Orient des Livres va publier sera accompagnée quelques mois plus tard d'un événement que nous faisons en même temps en collaboration avec la Maison des Écrivains et Traducteurs de Saint-Nazaire de Patrick Deville. Alors vous savez ou vous ne savez pas que la MIT, dont parlait tout à l'heure Cathy Barrault, organise tous les ans au mois de novembre, et c'est une des raisons pour lesquelles Patrick Deville n'a pas pu venir, c'est que c'est maintenant, en mois de novembre, organise des rencontres internationales autour d'une thématique qui porte sur deux villes. Et tous les ans, il y a deux villes dont les écrivains sont invités à Saint-Nazaire, à deux villes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, pour que leurs écrivains se retrouvent avec, au milieu des écrivains français. Cette année, là, maintenant, dans quelques jours, aura lieu les rencontres Athènes et Santiago du Chili. Et l'année prochaine, la Maison des Écrivains à Beyrouth et la MIT de Saint-Nazaire, en partenariat avec d'autres structures, vont organiser une série de rencontres dont Beyrouth sera le centre. Donc ce sera des rencontres autour de Beyrouth et de Bogota. Et donc des écrivains libanais seront invités à Saint-Nazaire et ensuite à Paris, tandis que des écrivains colombiens viendront à Paris et nous espérons en recevoir également. Il est probable que déjà en avril prochain, un des grands écrivains colombiens sera parmi nous. Voici donc pour le programme de l'année prochaine qui se déclinera en deux temps, donc à Beyrouth, à Saint-Nazaire et à Paris. Voilà, pour le reste, évidemment, vous trouverez des détails sur le petit dépliant que nous avons fait. Avant de terminer et de vous inviter à un pot juste en face, je voudrais évidemment remercier quand même nos principaux soutiens, notamment la municipalité de Beyrouth, la région Île-de-France, la fondation Sarah Dar et tous les sponsors privés, toutes les personnes qui nous ont soutenus à titre privé. Donc je vous permets aussi très courtoisement de savoir ce qu'il y a juste après. Donc je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait des éclaircissements, qui aimerait poser une question, avoir des détails supplémentaires. Sinon, donc je vous invite à un pot juste en face, ici. Et merci de votre présence.